Salut à tous, ici le coach Brice Kamgang. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir dans le cadre de cette petite capsule. Eh bien, j'étais avec ma sœur dans la voiture et on faisait des petites balades et tout. Et elle me racontait combien de fois elle a dû se perdre dans le quartier lorsqu'elle venait d'aménager ici. C'était difficile pour elle quand elle empruntait l'autoroute, elle faisait des sorties ratées, etc. Bref, ça n'a pas été évident pour elle de maîtriser le réseau routier, malgré l'existence du GPS d'ailleurs. Elle ne comprenait pas très bien comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, on est sorti, on s'est très bien baladé, elle maîtrise le circuit, tout s'est bien passé et tout. Cela témoigne donc de l'expérience qu'elle a acquise avec le temps. Voyez-vous, lorsque nous aménageons un nouveau quartier, nous allons dans une nouvelle ville, un nouveau pays, il nous arrive parfois de nous perdre, de chercher nos repères, etc. C'est pas évident. Ça arrive à tout le monde. Et en matière de prise de parole en public, c'est la même chose. Voyez-vous, lorsque vous êtes coaché, lorsque vous êtes formé en prise de parole en public et que vous allez sur vos premiers pas, c'est pas évident. On vous apprend beaucoup de techniques liées au verbal, au vocal et au visuel. Combiner tout ça, comment harmoniser sa gestuelle et ses mots, ça fait compliqué. Vous pouvez vous gourer, vous pouvez vous perdre au début, mais après, rapidement, vous vous retrouvez et c'est facile. Donc aujourd'hui, ma sœur a circulé avec moi, elle était à l'aise, elle était confortable et ça n'a pas toujours été le cas. Donc voyez-vous, lorsque vous allez apprendre à parler en public, ça ne sera pas toujours facile, mais avec le temps, vous allez réussir à vous en sortir. La prise de parole en public est une affaire de tous et tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut progresser en matière de prise de parole en public. Si ma sœur peut maîtriser aujourd'hui le réseau routier et se balader avec nous sans aucun challenge, ce que toi aussi, tu peux maîtriser la prise de parole en public. Je ne te connais peut-être pas, c'est vrai, je sais une chose à propos de toi. Tu es né pour être une source d'inspiration. Be the inspiration.